monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog, ça faisait un petit moment et je sais que vous m'en demandez beaucoup, donc mais en fait je me dis que ma vie elle est pas super intéressante tous les jours quand je travaille en fait du matin au soir, je n'ai rien à vous filmer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Aujourd'hui c'est les promos beauté chez Leclerc, donc forcément je vais y aller. Et j'ai déjà repéré quelques petits trucs que je veux à tout prix, donc j'espère qu'il y en aura encore. Donc je vais y aller cet après-midi. En début d'après-midi, j'ai d'abord une cliente à coiffer. Et après, je vais y foncer. Oh, j'ai repéré ces rouges à lèvres depuis très longtemps là. Ils sont en promo, c'est où? Là, ils sont en promo. Mais j'ai tellement de rouges à lèvres chez moi que finalement, je ne sais pas si je vais craquer. Je vais voir. Alors ça, il me le faut à tout prix parce que honnêtement, depuis que je l'ai testé, je l'adore, je n'utilise que ça pour me démaquiller, donc j'espère vraiment. Ils font le lot de 2 pour 5,97€, c'est vraiment pas cher. Ensuite, il y a ça, je l'ai déjà, mais franchement, il est trop bien. Enfin, c'est un soin liquide de chez L'Oréal, il est en promo, donc si vous y allez, n'hésitez pas à le prendre. Ça, je vous le recommande à 1000%. Donc bref, il y a vraiment pas mal de trucs intéressants, donc j'ai trop hâte d'y aller. Il y en a une qui est contente quand il y a du soleil, hein. T'es contente, hein? Tu profites. Tu profites du soleil. Donc quand je vous disais qu'on avait un temps de chiottes tout le week-end, là, on a eu un week-end de 3 jours dégueulasse. Et aujourd'hui, on reprend le travail. Regardez-moi le ciel. C'est une blague. Pour ce qui est de ma tenue du jour, du coup, aujourd'hui, je porte une blouse en fait légère en voile de chez Shein. Je vous l'ai déjà montré dans des hauls. Au cas où, si vous êtes intéressé, je vous la remets en lien dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir. Regardez ce que j'ai reçu. J'ai reçu ma Glossy Box. Je vais vous montrer un petit peu. Bon, je l'ai ouverte, hein, bien sûr. Moi, je ne sais pas tenir. Donc, j'ai déjà ouverte hier, mais je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, bon, on a un petit goodies. Là, on a des petites fraises Tagada. Ensuite, là, ce qui est trop rigolo, c'est un pinceau. Mais regardez, en fait, ça fait un peu la corne d'une licorne. Voilà, ça me fait vraiment penser à ça. Il est trop joli. Alors, je connaissais pas du tout la marque, mais un pinceau, j'en ai jamais de trop. Ensuite, donc là, on a ce vernis Ciaté. Ciaté, j'adore. C'est une marque que j'aime beaucoup chez Sephora. Et la couleur est canon, donc je suis super contente. Ensuite, on a une mousse nettoyante de chez Aven. Donc, nickel, parfait pour ma peau. Comme je vous l'expliquais dans une vidéo précédente, j'avais pas mal d'imperfections et j'essaye de mettre vraiment des bons produits sur ma peau. Donc, je suis contente d'avoir ça. Ensuite, là, donc, on a un petit macaron et en fait, dedans, c'est un baume à lèvres. Voilà. Bon, ça, c'est pas quelque chose que j'aurais acheté ou... C'est mignon, ça va peut-être me servir à faire des petites photos Instagram. Et ensuite, en tant qu'addict de rouge à lèvres, j'ai reçu donc un rouge à lèvres. Donc je ne connaissais pas du tout la marque, mais c'est un liquide mat. Donc voilà la couleur. Je trouve qu'il est trop joli. Et bah voilà, je suis contente. Un de plus dans ma collection, hein, comme si j'en avais pas assez. D'ailleurs, en parlant de rouge à lèvres, je voulais vous poser une petite question. Je ne sais pas si vous avez vu sur la chaîne d'Enjoy Phoenix, elle a fait une vidéo là récemment. Où elle compte ses rouges à lèvres tout simplement. On voit qu'elle en a plus de 500, hein. C'est juste incroyable. Et je me suis dit que j'aimerais beaucoup vous faire cette vidéo en fait. Donc dites-moi en commentaire, mettez-moi un like en fait. Mettez-moi un like sur cette vidéo pour savoir le nombre de personnes qui souhaitent que je fasse cette vidéo où je compte aussi mes rouges à lèvres. Bon, je sais que j'en ai pas autant qu'Enjoy Phoenix, mais moi-même je serais surprise et j'ai vraiment envie de savoir combien j'en ai. Je voulais vous montrer aussi un autre truc que j'ai reçu et je trouve ça juste ouf parce que j'ai vu souvent et c'est quelque chose que j'ai failli acheter. Je sais que à Noël c'était dans ma wishlist. Tadam ! L'Instax Mini. Franchement, je suis choquée. Je ne l'ai pas encore testé parce que en fait ce week-end il faisait un temps dégueulasse. Donc je voulais pas gâcher les pellicules pour un temps de chiottes. Mais j'ai trop hâte de le tester. Je trouve ça super sympa parce qu'en fait, c'est vrai qu'on fait souvent des photos avec notre téléphone, mais on les a jamais. Moi, je sais que ma famille râle à chaque fois que je fais des photos. Ouais, mais on les aura jamais. Nanana, nanana, ça râle. Donc là, il y aura la photo qui sort juste au-dessus. Et moi, bah, je pourrai avoir directement la photo. Thank you.
ça y est, alors là je reviens des promos Leclerc. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc en premier j'ai refait mon ravitaillement de shampoing sec Baptiste. Voilà, je les adore, j'utilise que ça à longueur d'année. Et là j'en ai profité qu'ils étaient soldés pour tester des nouveaux. Donc là j'ai pris le Marrakech, je le connaissais pas du tout. Dites-moi si vous le connaissez en commentaire. Franchement j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Ensuite bon, le blush, j'avoue je le connaissais, j'avais déjà pris mais j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai pris celui-ci parce que le packaging est joli, voilà. Et donc là ils étaient à peu près à 2€, donc ça vaut trop le coup. Ensuite, ensuite je me suis pris, en fait ça je connaissais pas du tout mais j'arrêtais pas de le voir sur les réseaux etc. Donc j'ai voulu tester de l'eau fruitée purifiante. J'hésitais beaucoup, je voyais beaucoup avec l'eau de rose, l'eau des bleuets, etc. Mais en lisant bien, moi qui essaie de lutter contre mes imperfections en ce moment, celle-ci, la purifiante, en fait, c'était la meilleure. Donc, on va la sentir d'ailleurs ensemble parce que je sais pas du tout, j'aime pas trop l'odeur de citron. Donc, oh non, ça passe. Non, ça va, ça passe. Franchement, ça va. Donc ça c'est à mettre le matin et le soir sur peau propre, démaquillée, etc. Donc on va tester ça. Alors après j'ai pris un lot cottage, je sais plus combien ça coûtait, je crois que c'était 2 aussi. En fait sur le ticket de caisse il n'y a pas le prix que j'ai payé, c'est le prix. Après il faut déduire la réduction, mais bref je vais pas commencer à calculer en direct. Et là j'ai voulu tester l'odeur cacao noisette. Et ça sent le chocolat. C'est un truc de fou. On dirait que je vais me laver au Nutella, quoi. J'adore. Ensuite, alors là, ça, j'ai patienté une heure pour les avoir. Donc, en fait, à la base, comme vous l'avez vu ce matin, je vous l'avais dit, je l'ai cherché vraiment. J'y allais pour ça à la base parce que c'est un produit que j'adore. Voilà, c'est la crème démaquillante Fleurs Rares de chez L'Oréal. Donc, c'est un démaquillant en crème que j'utilise moi dans ma douche. Alors d'une, c'est un gain de temps pas possible. Moi je me démaquille pas avec un coton etc. avant d'aller dans la douche. Je me démaquille dans la douche en même temps que je me lave et je trouve ça top. Ça ne pique pas du tout les yeux et ça enlève très bien le mascara. Donc pour l'anecdote, j'ai fait 4 fois tous les promos beauté pour essayer de les trouver. Impossible. Je suis allée voir dans le rayon beauté sans les promos, il n'y était pas non plus. Impossible de les trouver. Donc j'ai refait une 5e fois le tour et j'en ai trouvé un comme ça en plein milieu des trucs rien à voir, en plein milieu de d'autres marques en fait. Donc je l'ai pris, je suis allée à l'accueil et je leur ai demandé où se trouvaient ces démaquillants. Donc elles ont été très gentilles d'ailleurs, si tu passes par là, je crois que c'est Lydie, tu m'as dit. Donc très sympa, elle a refait le tour avec moi et finalement on a réussi à trouver un deuxième. Du coup elle m'a appliqué la réduction. Mais ce qui s'est passé en fait à Leclerc, c'est que apparemment la veille ils n'avaient pas eu le temps de mettre la palette avec tous les démaquillants, donc ils allaient le mettre le lendemain. Mais bon, moi j'étais là le premier jour et je les voulais. Donc merci beaucoup à Lydie qui a vraiment pris une heure de son temps avec moi à chercher et à me faire la réduction. Donc à la fin, j'ai réussi à trouver les deux derniers. Mais les gens, dès qu'ils me voyaient avec ça, ils étaient à l'affût. Vous les avez eu? Vous les avez eu? Et ben c'était les derniers. Du coup pour les autres il fallait qu'ils reviennent le lendemain. Apparemment il n'y avait pas toutes les promos beauté mises le jour J. Ensuite donc j'ai repris un truc que j'avais déjà et que j'ai vraiment aimé. C'est le Garnier Skin Active. En fait c'est un gel purifiant qui va lutter contre les imperfections. Donc ça se met le matin au réveil, vous nettoyez votre peau avec ça. Mais celui que j'avais eu là, Greg mon chéri, n'arrête pas de me le piquer. Du coup j'en ai racheté un et bon, c'est pour lui parce que je sais qu'il adore ce produit. Donc voilà, il était aussi à 2€ il me semble, au lieu de 4€ et des brouettes. Pour finir en fait j'ai repris des shampoings qui ne font pas partie du tout des promos beauté Leclerc. Mais ce sont mes shampoings chouchou que j'utilise depuis un moment pour avoir mon blond blanc qui tire sur le gris. C'est un déjaunisseur, je le trouvais plus nulle part et j'avais trop peur de plus le trouver, je pensais qu'il l'avait arrêté. Avant je l'ai acheté chez Auchan, je l'ai acheté à Carrefour Market et dernièrement je ne l'ai trouvé plus, j'étais en stress. Et là j'ai vu le rayon Leclerc complet de ce produit, donc j'en ai pris deux d'un coup, comme ça je ne serai pas à court, j'ai le temps. Mais je vous en ai déjà parlé, celui-ci, je l'aime tellement. En fait il est bleu-violet, c'est pour les blondes, pour éviter que le blond jaunisse en fait. Voilà, il est hyper bleu-violet, ça peut faire peur comme ça. Mais il est top. Et voilà, donc le vlog est terminé.
Il est presque 20h là. Je vais arrêter ce vlog maintenant parce que bah, je vais aller me laver, faire à manger. Et puis bah, je pense que je vais faire le montage pour pouvoir vous poster cette vidéo au plus rapidement possible. Donc sur ce, bah, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.